sur l'exclusivité mondiale. C'est quand même pas mal. C'est si mondial, parfaitement. Oui, voilà. Bon, apparemment, Lou a un projet de faire une adaptation de film de cette pièce quand il sera plus grand. Donc, n'hésitez pas à lui donner votre email pour que vous puisse garder les acteurs d'origine. C'est toujours mieux. Voilà. Je vous demande juste de mettre votre téléphone hors d'état de nous nuire, c'est-à-dire au moins silencieux si vous voulez prendre des photos absolument, vraiment. Parce qu'on va avoir des effets sonores et des effets lumière, etc. Et ce serait dommage que l'effet sonore incongru soit votre sonnerie de téléphone, qui n'est pas toujours bien glorieux. Voilà. Bah, dans un film d'horreur, dans un film d'horreur, un petit téléphone, ça ouais, peut. Ouais, mais bon. Petit truc de 33 mais on l'a prévu déjà. Ça marche. Okay. Bon, je vous remercie. Je vous laisse passer un bon spectacle. Applaudissez bien fort pour les encourager. Mais tu n'es pas sérieuse, c'est presque la fin du film. On l'a déjà vu ce film là, on sait comment ça finit. Mais tais-toi, j'aimerais suivre l'histoire. On la connaît déjà l'histoire, c'est toujours le gentil qui gagne à la fin. Et puis de toute façon ce film tu l'as déjà vu plein de fois. Moi je voulais un dessin animé, de toute façon j'aime bien changer de chaîne. Ah, deux contre un, allez passe à télécommande. Mais non, c'est pas possible, c'est bien ça meilleur pour moi. Moi je préfère un dessin animé. Donne-moi la télécommande. Laissez-moi tranquille. Mais arrête de toujours décider pour nous trois. Il faut partager. Mais c'est bientôt la fin du film. On pourra mettre un dessin animé après. C'est toujours toi qui choisis, c'est nul. Les enfants à table. Oh non. Pas de discussion. Je vous ai préparé. Vous avez préparé mes légendaires spaghettis. On va se régaler. S'il te plaît, après le film. C'est quoi comme film? Les Cowboys de l'espace. Encore? Mais tu l'as déjà vu 1000 fois. En plus, on a le DVD à la maison. Pas besoin de le regarder à la télévision. Mais papa! Pas de discussion. Pas de discussion? C'est l'heure de la chérie? Oui. Le dîner. Le dîner est prêt. Il arrive tout de suite. Les enfants, mettez... Allez mettre la table avant que maman arrive. Oui, c'est ça. Allez-y, par restaurant, je garde encore un petit peu. On doit y aller tous ensemble. Oh, déjà que c'est toi qui as choisi. Ouais, regardez, toi le soleil. Bon alors, c'est prêt ou c'est pas prêt? J'attends juste que les enfants finissent de mettre la table. Ah bon? Très bien, ça fait plaisir qu'ils s'investissent dans les tâches ménagères. Passionné, je ferai surtout que regarder la télé, c'est plus marrant que de faire leurs devoirs. Tu as sans doute raison. Enfin, c'est que j'ai faim, moi. Mesdames et messieurs, les légendaires de spaghetti. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi ça? Ce truc de vert dans les pattes? Des brocolis, voyons. Oh non! Encore. Mais voyons les enfants, les brocolis, c'est bon, c'est plein de bonnes vitamines pour bien grandir. Ah non, c'est bon, je suis déjà grand. Arrêtez avec vos salades. Tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de salade. Ah non, pas ça. C'est encore pire. Arrête de donner de mauvaises idées à papa. Mais voyons les enfants, la salade, c'est bon. Et voilà, non seulement je n'aurai pas de dessin animé, mais je vais devoir manger de la salade. Merci grand frère. Mange tes brocolis, sinon je te fais de la salade pendant toute la semaine. Bon, d'accord. Bon, c'était original, mon chéri. Maintenant, les enfants, tous au lit. Bon, d'accord. Mais papa avait dit que je pourrais garder la fin du film. Je t'ai dit que tu pourrais regarder la fin du film plus tard, mais pas forcément après le repas. Mais c'est pas juste! S'il te plaît, j'oublie la tête.
sera puni. Je voudrais une voix grave pour la mystère.
Parlez plus fort, les fantômes, on vous entend pas. Qui sont ? Qui sont vos invités ? Ils parlent ! Répondez ! Nous aussi ! Nous vous avons posé une question. Et ? Ça va, on a compris. Répondez à la question. Qui sont vos invités ? Nous vous prévenons. Nous n'aimons pas les étrangers. Nous ne tolérons pas de présence chez nous. Mais c'est chez moi ! Chez nous ! Mais j'ai bien fait ce fantôme. Vous ne me faites pas peur. Oh là là, j'adore ce début. J'avais peur, Sophie. Je n'aurais jamais dû venir avec vous. L'appel à la tête de vos données. Cette histoire est fichement étrange. J'ai pas envie de me faire zigouiller pendant mon sommeil. Il va falloir un petit secours. Mais qui est ma lady ? J'ai une idée. Vous, venez nous aider. On dirait qu'elle nous parle. Ça fait de plus en plus peur. Gina, à qui est-ce que tu parles ? À ces enfants qui nous regardent là. Quoi ? Oui, vous. Ah, moi aussi, je les vois. Non. Viens, appelez un secours ! Mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu fais ? Bien, quand même, il va falloir vous laver les oreilles. Où est-ce qu'on est ? Bah, chez moi, voyons. Quoi ? On est dans le film ?
Nous sommes donc dans un vrai manoir. J'ai la tête qui tourne. Calme-toi. Ah. Respire. Changement de décor. Je recommence. Je vois. Des présences étranges. Taisez-vous. Je vois que vous doutez de mes pouvoirs? Montrez-la aux autres. Trop nul, le tour de magie, on a tout compris tout de suite. Oui, mais on a vu quand même. Mais c'est quand même.
ailleurs. Tu vois, quoi, on a encore perdu des clients. Je vois que nous allons devoir changer les tours de magie. Nous vous observons et nous vous maudissons. F3. Vous subirez notre vengeance. Maman. Et ils disparaissent. Oui, c'est comme ça dans tous les films d'horreur. Eh oui, c'est comme ça dans tous les films d'horreur. Mais alors, quel genre de fantôme pouvait agir de la sorte? Mais je sais, votre majordome... Non, depuis quand est-ce que vous voyez ces fantômes? Eh bien, c'était juste avant que vous veniez. J'en déduis qu'il s'agit donc de personnes mortes il n'y a pas longtemps. Et qui savaient faire le ménage. Mais je sais, votre majordome est la cuisine. Oui, c'est sans tout ça. Maintenant, il faut savoir ce qu'ils veulent. Mais pour le savoir, il reste leur demander. F1, F2. Mais comment faire? Nous voulons que vous remerciez pour tout ce que nous avons fait. Pour tout ce que vous avez fait? Nous avons passé notre... Nous avons passé toute notre vie au service de... La lady. De la lady de ce manoir. Et elle ne nous a jamais remercié. Ce n'est pas dit que d'une lady. Remercie ces braves gens tout de suite. Bah non, ça va jamais venir à l'esprit. Mais c'est là depuis si longtemps. C'est le principal de nos maîtresses. Que de remercier ses domestiques. Eh bien, je vous remercie. Vous pouvez partir en paix.
Alors, tu veux nouveau dans le métier? Oui, je voulais devenir gendarme, mais ils ne m'ont pas accepté. Gendarme? Oui, je voulais passer les menottes aux criminels ou bien chasser les délinquants. Tu sais, gendarme de cinéma, c'est plutôt calme. Je n'ai même pas de menottes ni de pistolet. Bah non, c'est sûr, mais on a des lampes torches et on peut appeler la police en cas de besoin. Oui, enfin, bon, c'est là. On regarde s'il n'y a pas trop de popcorn par terre et si tout le monde est correct avec le règlement. Faut toujours être sur ses gardes, c'est ça les déclarateurs. Tu verras bien. D'ailleurs, c'est pas bientôt l'heure de la ronde? C'est vrai, il faut qu'on ferme le cinéma. Par devant, je te rejoins. Attention, on est mort. Réveillez-vous. Mais attention, mais il est dit derrière vous. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes pris en chagrin. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Chef, j'ai attrapé ces jeunes en train d'essayer de passer la nuit au cinéma. Hein? Mais non, pas du tout. Gia? Hein? Mais non, pas du tout. Ah, mais non! Pas du tout! On a essayé de sauver Maëlie et ses amis des fantômes du manoir en télé. Je pense qu'ils ont pris de la drogue. Pas du tout, on s'est juste endormi devant le film. Ouais, c'est ça. Je crois pas, c'est une mauvaise habitude. Comme toi, tu vois bien que ce sont des enfants. Ils se sont endormis parce qu'il est tard. Désolée de nous être endormis. Moi, je veux juste rentrer chez moi. Oui, à votre âge, vous devriez être couché. Où sont vos parents? Ah, nos parents? Ils doivent être rentrés sans nous. On n'oublie pas ses enfants au cinéma, voyons. Normal, on habite à côté. On va rentrer à pied. Il va mettre moins d'inquiétude. Allez, dépêchez-vous. Le cinéma va bientôt fermer, de toute façon. Allez, je vous accompagne. Alors, c'était juste un rêve? C'est étrange. Ça semblait si réel. Allez, tu viens, on va se faire disputer. En même temps, ce film, il n'avait aucun sens. Deux domestiques, on ne sait pas comment, trois fantômes. C'est complètement illogique. J'ai trois. Alors, tu viens? Oui, j'arrive. Avant que le vrai fantôme dangereux, le troisième fantôme, aurait tué les deux autres. Bon, faudra attendre les mystères du manoir hanté 2.